languette aux prunes. Je vais vous montrer ce qu'il me faut. Alors, il me faut 200 g de farine, comme ceci, de la farine. Il me faut du sucre en poudre. Il me faut du lait. Il me faut de l'huile. Il me faut du citron, des œufs, de la levure et des prunes. Alors, je prends le sucre, les 200 g de sucre, et je vais mettre 3 œufs dedans. Voilà, hop, et d'un, et de deux, et de trois. Bon, ça va. Et je vais touiller. Je vais rajouter de l'huile. Mets de l'huile dans la bille, il faut que ça glisse, petit frère. Écoute, écoute. Jusqu'à ce que ça commence à mousser. Alors, une fois que ça y est, moi je vous dis, je fais au pif. Hein. On verra bien. Hein. Allez, hop. Comme dit une certaine personne qui va se reconnaître, pas plus de 15 minutes dans la cuisine. Donc, pas plus de 15 minutes dans la cuisine. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Alors, si vous voulez faire mon gâteau, j'ai pas de recette. J'ai suivi une recette et en fait j'ai modifié complètement la recette, donc j'ai pas de recette, je suis désolée. Alors je vais mettre un peu de lait. Allez, hop. Alors, and again, je sais que la pâtisserie c'est quelque chose d'exact, mais moi je m'en fous. Encore un peu, encore un peu, voilà. Alors me demandez pas ce que ça va être comme gâteau. Normalement c'est censé être un gâteau aux prunes. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Voilà, je veux pas de grumeaux. J'ai l'impression que c'est un peu trop liquide. Voilà, et on va mettre du citron. Alors, vous inquiétez pas, j'ai les mains très propres. Mais moi, j'aime bien faire comme ça avec le citron. Voilà. Hop, je me lave les mains. Le four est préchauffé. Oh, ça mousse. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Non mais regardez l'aspect ça. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Alors là c'est nul parce que j'aurais dû le mettre avant. C'est pas grave. J'ai oublié un truc, j'ai oublié la levure qui aurait dû être diluée normalement dans la farine. Voilà, ça aurait dû être dilué avec la farine. J'ai envie de remettre un peu de farine. Je trouve que c'est un peu trop. Je vais remettre un peu de farine. Après, c'est au pif, hein, voilà. Ne me demandez pas, je ne saurais pas vous dire. Voilà. Voilà, j'ai remis un peu de farine légèrement. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre mes prunes. Voilà, ma pâte est prête, d'accord? La plus grosse partie va être pour les prunes, d'accord? Ok. Oh, allez, je vous dis pas, ça mousse. Ça mousse. Qu'est-ce que j'ai fait comme pâte encore? Oh, j'ai dû faire une connerie, hein, je vous le dis, moi. Regardez comment elle est super, la pâte. Bref. Donc, maintenant, on coupe les prunes. Voilà. Hop. Et on enlève le noyau. Et hop, je vais couper en quatre, hein, parce que voilà. Donc ça, ça prend du temps. Hein. Allez, hop. Voilà. J'ai voulu les manger comme ça, elles sont pas bonnes, alors je préfère les cuire. Voilà. Par contre, ce que j'aurais dû faire, vous savez quoi? Je vais le faire après. Allez, je coupe, je vous retrouve après. Ok.
que je vais faire, je vais mettre là-dedans. Voilà, je vais les mettre là-dedans. Alors pourquoi? Parce que je vais mettre de la farine pour éviter qu'elle tombe au fond du moule. Et je vais en garder quelques-unes pour mettre au-dessus. Voilà. Il faut que j'efface toutes. Elles sont pas, top à manger. Et après, je vais en garder pour mettre tout dessus. D'ailleurs, c'est dur. Hein. Alors, je vais prendre un moule. Beurré. Alors, vous voyez, je suis toute seule. Hein. Il me faut au moins un moule comme ça. Hein. Je suis toute seule, de 28 cm. Hein. Le diamètre. Alors, je vais mettre du beurre. Net. N'inquiétez pas, j'ai les mains très propres. Voilà. Hop. Et là, je vais prendre la farine. Et je vais saupoudrer. Et je vais saupoudrer sur mes prunes aussi pour qu'elles ne tombent pas dans le fond. J'ai une petite astuce. Voilà. Voilà, et voilà, et là, et voilà. Je verse ma pâte, voilà. Alors, et après je vais mettre au four, 40 minutes, je pense. Donc là, vous avez vu, j'ai mis avec de la farine. Hop, je secoue et je les prends, je les mets pêle-mêle comme ça, voilà. Et par contre, je vais en mettre dessus. Là, je vais les mettre dedans. Voilà, hop. Alors ça, ça va être un peu à la one again. Voilà, parce que tant qu'à faire, il faut faire quelque chose de joli. Ok, allez, on y va. Mon meilleur ami américain fait des cours de cordon bleu, pâtisserie surtout, je crois. Quelques plats, mais surtout pâtisserie. Et franchement, quand je vois les gâteaux qu'il fait, waouh. Moi, s'il voit le mien, il va dire c'est quoi ce délire. Voilà. Il faut vraiment que je les mette toutes, hein, parce que faut faire un joli décor, hein, sinon ça sert à rien. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Le four est préchauffé. Et vous savez qu'on ne fait pas la one again dans la pâtisserie. La pâtisserie, il faut que ce soit fait vraiment exactement, quoi. C'est des mesures exactes. Et moi, je fais n'importe quoi. Mais je suis sûre que ça va être bon. Alors. Voilà. Vous voyez, il faut enlever le noyau. On aura un jardin, on mettrait tous les noyaux dedans. Hein. Mais j'en ai pas. Chris, si tu veux, je t'envoie des noyaux de prunes. Voilà. Eh bien, écoutez. Hein? On va mettre un peu de sucre par-dessus pour faire un peu caraméliser. Je me demande si je vais pas mettre du jus d'orange. Non. Voilà. Voilà. Ça va s'enfoncer. Hein. Et voilà. Et on va mettre combien de temps? Attendez, je regarde juste combien de temps c'est la cuisson. Parce que je vous dis, moi, je fais à la one again. C'est pas bien. Combien de temps, dis-moi, le sucre, j'ai absolument pas suivi la recette. Hein. La plaque du four que vous aurez au préalable, ça c'est fait. Étaler, déposer, ok, ça je m'en fous, j'ai fait comme j'ai envie. Enfourner au four 50 à 60 minutes. Il faut que le gâteau soit brun et doré dès la sortie du... Ok, d'accord.
Voilà. Eh bien, écoutez, hein, c'est une affaire qui roule, ça. Voilà. J'en ai encore, donc je vais mettre là. Je ne vais rien perdre. Hein. Et voilà, parce que ça s'enfonce. Et je vais mettre un peu de sucre, légèrement. Et voilà. Et maintenant, au four. Allez, voilà. Voilà, il est là. Et on le verra après. On se retrouve tout à l'heure. Voilà le résultat. Comme je suis toute seule, c'est moi qui vais le manger. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce que ça me fait super plaisir. Et puis, mettez-moi des commentaires, j'adore ça. Allez, bisous. I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Ti amo.